Hello mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vous embarque pour une petite journée avec moi. Petite journée off puisque je suis actuellement en arrêt de travail, donc j'ai fait un burn-out. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment se passent mes journées en ce moment. Voilà, vous me voyez avec ma tête du réveil à 7 h du matin. Donc j'en profite d'avoir un peu de temps pour vloguer. Je vais revenir sur le fait que je n'ai pas terminé mes vlogmas. Donc cette année, je pensais faire une série de vlogmas qui irait jusqu'au bout. J'étais presque jusqu'au bout, mais pas entièrement. Donc je pense que mes vlogmas se sont arrêtés au 21 décembre. Et donc, à partir de cette date-là, j'ai reçu plein de mauvaises nouvelles dans ma vie personnelle. J'ai été sujette aussi à du harcèlement. Donc, ce qui fait que j'ai été en arrêt pour burn-out. Ah, il y a un petit bout de chou qui se réveille. Et donc, voilà pourquoi je n'ai pas pu terminer mes vlogmas. Et ensuite, en début d'année, la situation s'est décantée. Coucou, mon petit chouchou! La situation s'est décantée. Et du coup, eh bien, où est-ce que j'en étais? La situation s'est décantée et l'envie de reprendre les vlogs est de nouveau ici. Aujourd'hui, je vous embarque dans une journée avec nous, avec moi, avec petit Théo. Donc là, il s'est réveillé. Je vais le laisser tranquillement se réveiller dans le lit. Et ensuite, on ira prendre le petit déjeuner pour ensuite aller à... Théo est posé à l'école pour la journée. Là, je viens d'arriver à l'appartement. Il est 8 h 30. Voilà, mon premier geste du matin, c'est ouvrir les volets, ouvrir les fenêtres, aérer les pièces. Je laisse le lit s'aérer pendant à peu près une demi-heure, 1 heure, avant de le refaire. Je range ensuite tout ce qui n'est pas à sa place. Donc voilà, chaque objet retrouve son petit coin. Le matin, quand je ne travaille pas, je fais la poussière des meubles. Voilà. Donc en général, j'ai refermé les lits à ce moment-là. Et donc je viens donner un petit coup sur la table de chevet, sur les tables de chevet, rapidement, histoire que je les garde propres. Un petit coup sur les meubles aussi. Voilà, 9 h 30, le temps pour moi de prendre une petite collation. En général, je prends du 100% pur jus pressé, même si je ne suis pas garantie que ce soit 100% de pur jus. Mais cette bouteille, donc, elle a été commencée ce week-end avec les enfants, il faut la finir. Et voilà, j'ai pas envie de la laisser traîner, malgré que j'ai quand même des oranges sous la main. Les petites oranges, je les garde pour demain matin. Et là, je vais prendre... Je vais me faire une ou deux petites clémentines parce que j'ai vraiment les crocs. Les fruits, c'est la vie. Il n'y a pas que la clémentine qui passe, il y a aussi le kiwi. J'aime tellement ça. Et voilà, en général, quand je mets mon nez dans les fruits, voilà ce que ça donne. Je vous prends un peu plus tard, en début d'après-midi, je suis en tenue de sport. Et j'ai envie de me dépenser un petit peu, donc j'ai pas fait ma séance de sport hier parce que j'ai pas pris le temps. Aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je la fasse parce que j'aurai pas un corps de rêve cet été, mais si je peux reperdre les quelques kilos que j'ai pris depuis la fin de l'année dernière, ce serait pas mal. J'étais descendue à quasiment mon poids idéal l'été dernier et avec tous les soucis
qui sont greffées dessus, eh bien, j'ai repris du poids. J'ai beaucoup grignoté, j'ai repris quasiment tout ce que j'avais perdu. J'ai pris 10 kilos et j'ai envie de les reperdre. J'ai envie de repasser un été où je suis fière de porter mes robes en rentrant dedans sans avoir le ventre forcément bidonné. Parce que mon complexe, c'est ici. Voilà. C'est sport à la maison. Je suis trop complexée par mon corps pour pouvoir aller en salle et de toute façon, honnêtement, j'ai pas les moyens depuis mes soucis financiers de cet été. Donc, c'est tranquille à la maison. En général, je me mets une petite musique d'ambiance, voilà. Donc, quand c'est pas la télé, c'est la chaîne et on débute la séance. I'm out of reasons, I'm out of rhyme, but I'll only tell you that I'm out of time. I'm sick of love songs, I'm tired of this. C'est fini, c'est bon, allez à la douche. Est-ce que ça fait du bien une petite douche? Et donc là, j'en profite que la douche a ouvert mes pores de la peau, donc j'en profite pour faire un petit gommage. Donc ça fait du bien. Surtout quand on passe la semaine dans les transports communs, on a souvent l'impression d'avoir une peau encore 10 fois plus sale que d'habitude, tellement il y a de la pollution. Et effectivement, on a aussi des pics de pollution en Savoie actuellement. Donc, c'est bien de temps en temps un petit gommage, pas trop souvent, parce que sinon ça active le sébum et voilà. Le sébum, ça graisse la peau, etc. Je ne vais pas faire un cours de soins de la peau, mais voilà, ça fait du bien. Donc un petit gommage et je vais suivre avec un petit masque. Voilà, ça fait du bien de prendre du temps pour soi, de se faire du bien. Et voilà, je me suis fait un petit masque à l'argile, histoire de bien retirer toutes les poussières qui sont désincrustées. Moi, je suis encore plutôt masque traditionnel parce que je peux doser le produit que je veux mettre sur la figure. Mais il faut savoir que j'avais testé sur une vidéo. Je ne sais même pas si je l'ai laissé en ligne ou pas. J'avais testé sur une vidéo des masques qui venaient de chez Action, que j'ai trouvé très bien. Donc la texture du produit, le produit il est frais, malgré que le masque je l'avais stocké dans un tiroir. Le produit reste frais, donc c'est très reposant. Le seul bémol que j'avais reproché au masque d'Action, c'est qu'il y avait beaucoup de produits et que à la fin du soin, on était obligé de retirer un petit peu avec un Kleenex et peut-être même de laver. Mais voilà, c'est le seul reproche que je faisais. Après, il y a peut-être des personnes qui adorent quand il y a beaucoup de matière. Moi, c'était pas spécialement mon cas, mais sinon, à part ça, les masques de chez Action font leur travail. Ils ont une bonne fraîcheur, une bonne senteur que j'ai beaucoup appréciée. Voilà, mais ça ne m'empêche pas pour autant de rester sur mes produits traditionnels. Donc là, c'est un petit masque à l'argile que j'utilise depuis des années. Et comme ça risque d'assécher certaines zones, voilà, qui sont. J'ai une peau mixte, hein, j'ai des zones de peau qui sont très sèches. Par derrière, je vais faire un petit masque d'hydratation, donc sur les zones sèches à renourrir. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Je fais deux masques en même temps, donc un pour bien assécher les parties grasses, l'autre pour bien renourrir les parties qui sont sèches. Voilà, c'est pas très glamour, mais. Voilà, après cette petite douche, après mes soins, c'est l'heure d'aller chercher Théo bientôt. Donc j'en profite pour me faire une petite tisane. Je suis un petit peu dépitée parce que en fait, je retrouve plus ma ceinture. J'ai enfilé mon survêt pour faire le sport. J'avais quitté mon pantalon. J'ai enlevé la ceinture pour mettre le premier pantalon à la corbeille. J'en ai pris un autre là. Mais je trouve plus ma ceinture. Je suis dépitée. J'en peux plus de moi. Voilà, il est 4h30. On a récupéré le petit loulou qui goûte tranquillement au jeu. Après, on ira faire 2-3 courses avant de rentrer à la maison. Si, si, si. Si, si, si on fait pas de courses, t'as pas de dessert ce soir. Donne-moi, s'il te plaît, maman. Et ce qui court, ça s'appelle quoi? Des buffles ou des bisons?
Ça, c'est le Roi Lion version film. Et ici, on a un petit lion qui se détend. Bah oui, parce que son papa, il est tombé de la falaise. Ah, pourquoi? Bah oui, parce qu'il y a le frère du papa qui l'a poussé ou qui l'a pas rattrapé. C'est triste, hein? Voilà, il est 18h30, ça fait à peu près 1 heure qu'on est rentré avec Théo. Donc à sa sortie d'école, je suis restée un moment à discuter avec la maîtresse parce qu'elle m'a parlé qu'il a des frayeurs. Il a quelques frayeurs quand il sait qu'il va aller chez son... Du coup, c'est très compliqué. Il faut que je le rassure quand c'est comme ça. C'est pas évident. D'autant plus que là, il sait qu'il va passer une semaine de vacances là-bas. Donc, voilà, pas évident pour lui, pas évident pour moi non plus. Enfin, voilà, il y a des fois, c'est compliqué de le laisser partir, bien que je sache que voilà, il a besoin d'aller voir l'autre parent. Bref, j'ai discuté avec la maîtresse. On est allé jouer au parc avec Théo. On est tombé sur son ancienne nounou qui finalement m'a donné les coordonnées de sa nouvelle nounou. Donc ça y est, j'ai trouvé une nounou pour Théo. C'est la bonne nouvelle de la semaine. C'est la bonne nouvelle de la journée. Et là, je suis soulagée. Donc ça fait encore un souci en moins. Et là, il y a quelques minutes, il y a mon chéri qui m'a envoyé que ça y est, il a fini le boulot, donc il va prendre la route pour rentrer. Il a à peu près 1 heure, 1 heure 10 de route. Donc je vais en profiter pour lancer le repas. Ce soir, j'ai envie de me faire un bon gratin de courgettes. Voilà, avec une petite viande de volaille en accompagnement. Voilà, le repas est en train de cuire tout doucement. Du coup, je vais en profiter pour faire ma vaisselle. Voilà, je vous retrouve dans ma chambre où je suis en train de faire des papiers le temps que le repas finisse de cuire. J'ai fait la toilette de mon petit Théo que j'ai mis en pyjama. Lui aussi, il attend la cuisson du repas pour passer à table. Finalement, j'avais mal compris, mon chéri, il sera pas là avant 21h. Donc voilà, je vais faire manger Théo en premier et puis on mangera en tête-à-tête un peu plus tard. À son arrivée. Oui, j'étais partie pour expliquer que cet après-midi, j'ai reçu un SMS de l'école de Théo qui m'indique que jeudi prochain, enfin jeudi qui vient, là, après-demain, sa maîtresse a demandé sa journée et elle ne sera pas remplacée. Donc du coup, comme il y a le Covid et qu'il y a un protocole sanitaire, nous, parents qui pouvons, nous sommes tenus de garder nos enfants chez nous, enfin pour ceux qui le peuvent. Du coup, moi, ça m'arrange, hein, je profite de mon petit Théo, d'autant plus que normalement, la première semaine de vacances, qui est pour nous le 12, qui commence le 12 février, la première semaine de vacances, normalement, il doit partir chez son papa. Mais comme la grand-mère paternelle, qui est positive au Covid depuis un peu plus d'une semaine, comme c'est sa grand-mère paternelle qui doit garder Théo, voilà, le papa, il est un peu pris au dépourvu. Il m'a envoyé un message ce soir comme quoi sa maman est encore positive au Covid et que elle fait un test PCR vendredi soir. Donc vendredi soir, à tout casser, on saura si, voilà, si elle est positive. Donc Théo reste avec moi pour la première semaine de vacances. Si elle est négative, donc le papa va prendre Théo. Peut-être pas vendredi soir, peut-être plus le samedi matin. Bref, tout va se jouer le vendredi soir. Du coup, vendredi soir seulement, je saurai si j'ai Théo la première semaine, l'écran la deuxième semaine. Donc ça veut dire que j'aurai 2 semaines à jongler avec mes enfants. Ou si j'aurai Théo la première semaine et le papa des grands qui veut bien s'aligner, enfin qui veut bien aligner sa semaine de vacances sur celle de Théo. Enfin voilà, c'est famille recomposée, on est toujours en train de jongler avec les plannings des uns, les plannings des autres, son propre planning. Bref, c'est toute une histoire, mais voilà, j'espère que ça va bien se passer. Moi personnellement, j'aimerais bien avoir une semaine pour moi et au moins que tous les enfants se voient en même temps
Parce que voilà, c'est tellement rare quand ils sont tous les quatre ensemble, à part lors des vacances et des grandes vacances. Voilà, en dehors de ça, ils se voient un week-end sur deux. Des fois, pas toujours un week-end sur deux, puisque mes deux grands, Alexandre et Gabriel, sont maintenant quasiment indépendants. Enfin, je veux dire, au niveau, voilà, ils ne sont plus contraints par un jugement à aller chez papa ou chez maman. Ils font comme ils veulent, comme ils le sentent. Voilà, c'est les aléas de la famille recomposée. C'est comme ça. Et voilà, c'est tout prêt. Voilà, il est 21h30. Monsieur vient de rentrer. Il est en train de prendre sa douche. Moi, j'ai deux, trois poubelles à débarrasser. J'ai petit Théo qui a pris son repas, donc la table est à débarrasser. Donc, je vais m'activer, mettre la table et puis on va manger un petit bout avant d'aller se coucher nous aussi. Voilà. Donc, je pense que je vais clôturer le vlog maintenant parce que de toute façon, il n'y aura rien d'autre d'intéressant. C'est un mini vlog. Voilà, pour le premier vlog de 2022. Mini vlog et donc j'en profite pour vous souhaiter une bonne année lunaire. Voilà, j'ai zappé de vous souhaiter la bonne année 2022 parce que j'ai eu plein plein de choses à gérer en début d'année, mais je vais vous souhaiter une bonne année du tigre en espérant qu'elle soit favorable et bénéfique pour tout le monde. Et c'est sur ces bonnes paroles que je vais clôturer ce vlog. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!